20h, 21h, France Info, les informés. Victor Mattey. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informés sur France Info. Comme tous les samedis, vous le savez, place aux correspondants de la presse étrangère en France. À la une, ce soir, l'armée israélienne qui annonce donc avoir libéré 4 otages lors d'une opération spéciale dans le centre de la bande de Gaza. Une preuve pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou que l'État hébreu, je cite, ne cède pas face au terrorisme. Libération, nous le verrons, sur fond de crise politique. La visite d'État de Joe Biden en France, le président américain présent pour les 80 ans du débarquement cette semaine et en campagne à 5 mois maintenant de la présidentielle aux États-Unis. Désormais plus de 6 millions d'entrées au cinéma pour la comédie du moment, un petit truc en plus réalisé par Artus. Le film peut-il faire avancer la situation des personnes handicapées? Nous en débattrons. Et puis la patte débat et Gaziantep à nouveau sacrée reine de Roland-Garros, la polonaise qui a déroulé aujourd'hui meilleure joueuse de tennis du monde. Elle compte à 23 ans autant de Roland-Garros que Raphaël Nadal au même âge. De quoi jouer au jeu des comparaisons, un jeu qui va vous plaire, j'en suis sûr. Juan José Dorado, bonsoir. Buenas tardes. De la patrie de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, journaliste espagnol, bien sûr, en France. Adeline Percept est à vos côtés. C'est Justine Hénin pour vous qui représente le mieux le tennis, correspondante de la RTBF, les Belges à Paris. Brigitte Adès est également bonsoir. Avec nous. Bonsoir, Brigitte, grand reporter, chef du bureau britannique de la revue politique internationale. On va citer votre livre, Les Voix de la Forêt, prix, on le rappelle, de l'Académie française F. de la Croix. C'était en 2022. C'est parti pour une heure de débat. Débat avec des journalistes européens, bien sûr, mais sans parler, vous le savez, ce soir, des élections européennes de demain, c'est la règle, entre la fin de la campagne hier soir et les résultats des votes que l'on connaîtra demain à 20h. L'actualité internationale de ce samedi du côté du Proche-Orient, avec la libération de 4 otages israéliens qui auraient été retenus aux mains du Hamas depuis les attentats du 7 octobre. Il y a maintenant 8 mois, parmi eux, Noah Arghamani, dont les images de l'enlèvement sur une moto avaient fait le tour du monde. La question des otages, sujet extrêmement sensible en Israël, comme le confirme le chercheur spécialiste du Moyen-Orient, David Rigoulet-Rose. Le Forum des familles, évidemment, maintient une pression maximale sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qu'il accuse implicitement de ne pas en faire assez, à tort ou à raison, pour justement libérer les otages. Et évidemment, il y a le contexte très difficile des négociations qui n'aboutissent pas avec le Hamas. Et là, évidemment, le Premier ministre pourra se prévaloir de la réussite qui vient de se produire. Même si, il faut le rappeler, il resterait toujours 116 otages, dont 41 seraient décédés, ce qui fait qu'effectivement, on est loin, évidemment, de la libération de l'ensemble des otages. Le chercheur David Rigoulet-Rose. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui dit que cela montre qu'Israël ne cède pas face au terrorisme. Le chancelier allemand Olaf Scholz, lui, y voit un important signe d'espoir. Brigitte Adès, vous y voyez, vous aussi, de l'espoir ? Moi, je vois de l'espoir aussi parce qu'aujourd'hui, il y a eu des déclarations dans le sens de trouver une solution pour Gaza, politique, c'est-à-dire qu'ils ont dit que si ce n'était pas le Hamas qui venait gouverner la région, enfin, l'enclave, il serait très heureux de trouver une solution pacifique. Donc, j'ai trouvé que c'était très bien. On a interviewé un Mohamed Dahlan, qui est un des Palestiniens, qui est né d'ailleurs à Gaza, et qui est un type formidable, qui a toujours prôné la paix. Et donc, je pense qu'il y a des solutions qui peuvent... C'est ça, l'espoir. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées. N'oublions pas que le Hamas est quand même un pays, une faction qui est très, très nocive pour les Gazaouis. Et ils leur font peur. C'est un peu comme les Soviétiques. À l'époque soviétique, il y a une idéologie tellement forte. Ils sont dans les marchés, ils épient ce que les gens disent. Les gens ont peur de parler. Il y a des délations, il y a des exactions. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout ils font pas l'unanimité. Le Hamas ne fait pas l'unanimité du tout à Gaza. Et donc finalement, je pense que les Gazaouis seraient très contents de se débarrasser du Hamas eux-mêmes. On va préciser que ces libérations se sont faites au cours d'une opération militaire dite d'envergure, opération sanglante d'après le Hamas, qui parle de son côté de 210 morts et 400 blessés. C'est ce que dit le groupe terroriste. Adeline Percept, on se réjouit bien sûr de la libération des otages, mais elle s'est faite sans la fameuse trêve tant attendue. Oui, et c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal à me réjouir, très franchement. Et j'ai bien aimé votre lancement, parce que vous avez bien précisé 210 morts selon le Hamas. Et permettez-moi d'être dans cette émission pour rendre quand même hommage à Christophe Deloire, qui a dirigé Reporters sans frontières,
qui était un homme exceptionnel que moi j'ai pu rencontrer. Dont on a appris la disparition aujourd'hui suite à un cancer foudroyant et qui a été l'un de ceux qui ont dit tout de suite, il faut que les journalistes puissent entrer à Gaza. Or, les journalistes aujourd'hui ne peuvent pas entrer à Gaza et c'est pour cela que nous sommes tous finalement contraints par ces déclarations que le fait de se réjouir est quand même quelque chose de très problématique parce que oui, il y a eu cette opération, oui, on nous dit qu'il y a eu des morts, c'est confirmé par l'hôpital de Gaza, mais au fond, il n'y a pas de journalistes et pas vraiment de personnes indépendantes là-bas pour dire la réalité. Des choses. Il n'y a pas vraiment de journalistes non plus qui sont sur le terrain pour essayer de vérifier où sont éventuellement les dirigeants du Hamas et que font-ils. Ce qui fait, on le rappelle, que les seuls chiffres de morts qu'on a, par exemple, depuis le début, ces dizaines de milliers de morts que l'on nous annonce, ces chiffres ne viennent que du Hamas. C'est quand même le mouvement terroriste que l'on a à Gaza. Exactement. Et on est quand même dans le contexte de cette dernière proposition qui a été avancée par les États-Unis, par Joe Biden, le 31 mai, donc il y a un peu plus d'une semaine, qui pour l'instant n'avance pas. Voilà. On va continuer à en parler, on vous donnera la parole, Juan José Dorado. Dans un instant, ce sera juste après le Fil Info à 20h10 avec Maxime Glorieux. L'heure est au bilan après la manifestation interdite dans le Tarn. Contre le projet d'autoroute A69, 2 blessés légers côté forces de l'ordre, un autre côté manifestant. Bilan de la préfecture qui annonce 2000 participants contre 7000 pour les organisations écologistes à l'origine du rassemblement. Le chantier a démarré pour une mise en service fin 2025. En cas de victoire russe en Ukraine, toute l'Europe sera menacée, prévient Joe Biden. Nous ne nous déroberons pas, ajoute le président américain à la sortie d'un échange avec Emmanuel Macron. Une visite d'État qui se poursuit avec un dîner ce soir à l'Élysée. Soldats français morts en Ukraine. Une inscription taguée à la peinture rouge dans les rues de Paris. 3 ressortissants moldaves interpellés. La garde à vue est prolongée ce soir. La même inscription avait été retrouvée sur de vrais cercueils, cette fois le week-end dernier au pied de la Tour Eiffel. Et puis la tempête Zviantek a encore frappé à Roland-Garros. 4e titre pour la numéro 1 mondiale. Victoire facile en moins d'1h10. 6-2, 6-1 face à l'italienne Yasmin Paolini. Elle jouait sa toute première finale à Roland-Garros. France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Mattet. Avec la libération de ces 4 otages israéliens aujourd'hui qui étaient détenus depuis le 7 octobre par le Hamas, Juan José Dorado, est-ce qu'il y a encore l'espoir de voir une trêve ou un cessez-le-feu pour vous ? Déjà, il faut se réjouir qu'il y ait 4 otages qui aient été libérés après. Il faut bien sûr nuancer ces propos parce que ces otages ont été libérés après une opération spéciale et qui a coûté quand même la vie à des centaines de personnes. Et c'est vrai qu'il y a les chiffres du Hamas, mais dans le bombardement de l'école qui était gérée par les Nations Unies, ce sont des chiffres des Nations Unies qui parlent des plusieurs dizaines des morts. Et c'est pas le Hamas qui le dit, c'est les Nations Unies qui le dit. Y a-t-il l'espoir ? Il y a toujours l'espoir, mais ce qui est vrai, c'est que cette libération, c'est surtout un répit pour Benjamin Netanyahou, qui est très contesté au sein de son propre gouvernement, et qui est très contesté par la population israélienne, et qui va pouvoir montrer qu'avec cette libération, il fait le job. J'utilise cette expression qui est quand même assez particulière. C'est ce qu'on dit aussi semaine après semaine, voilà. On le dit souvent dans les informés, que finalement Benjamin Netanyahou, et c'est assez cynique, a tout intérêt à ce que cette guerre se poursuive parce qu'il y a son poste qui est en jeu. D'autant plus que dans ce cabinet d'Union nationale, il y avait Benny Gantz qui avait annoncé qu'il pouvait le quitter s'il n'y avait pas une solution qui allait être trouvée, qui a dû annuler sa conférence de presse après cette libération des otages pour peut-être revoir sa position. J'espère qu'effectivement la proposition qui a été faite par le président américain puisse effectivement être vraiment étudiée, espérant que les autres pays, que ça soit la France, que ça soit l'Angleterre, que ça soit que les autres pays puissent faire aussi pression. Mais pour l'instant, là où j'ai peur, c'est que Benjamin Netanyahou décide de durcir le mouvement parce qu'il vient de libérer 4 otages. Et vous l'avez rappelé, il y a encore plus d'une centaine
qui sont otages du Hamas. Et vous avez rappelé les faits, et ce soir Benjamin Netanyahu exhorte d'ailleurs Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, à ne pas démissionner. Cette crise politique, Benny Gantz, membre donc de ce cabinet, qui avait donné 3 semaines à Benjamin Netanyahu pour mettre sur pied un plan d'action, une sorte de plan d'après-guerre. La fin de l'ultimatum, c'était aujourd'hui. Tout le monde s'attendait donc, hein, Brigitte Hadès, à l'annonce de sa démission. Finalement, il a annulé au dernier moment sa conférence de presse. Oui, en fait, finalement, il a quand même intérêt un peu à se désolidariser de ce mouvement, de ce gouvernement, pour vraiment avoir ses chances après. Mais je tiens quand même à signaler que tous les morts qui ont eu lieu pour cette 700-là, c'était pas seulement parce qu'il fallait libérer ces 4 otages, c'est qu'ils avaient fait une opération, parce qu'ils faisaient une opération de guerre, parce que le Hamas était là. Il y avait deux ou trois bâtiments pleins de gens du Hamas. C'est pas seulement pour libérer 4 otages qu'ils ont tué tous ces gens-là. C'est pas pour ça que c'est une justification, mais il faut quand même penser que nous sommes en guerre et que stratégiquement, il y avait des opérations. Et là, par hasard, il y a eu des otages qui sont libérés, tant mieux. Mais ce n'était pas pour ça qu'ils avaient fait ça. Adeline Perceb, sur la crise politique interne en Israël, Benny Gantz qui ne démissionne pas aujourd'hui alors que c'était la fin de l'ultimatum, ça ne veut pas dire qu'il ne démissionnera pas au final. Non, effectivement, après, ce gouvernement israélien est tellement en décomposition qu'on voit que Benjamin Netanyahou non seulement lutte pour rester en poste en faisant cette guerre, mais aussi lutte pour que finalement le gouvernement reste plus ou moins ensemble. On sait aussi que le négociateur qui part pour négocier ce qu'il y a à négocier. Le patron du Mossad, il est souvent pris entre deux feux. C'est-à-dire qu'il a un mandat et puis finalement, certains dans le cabinet, notamment les ultranationalistes, ne sont pas d'accord. Et donc, tout ça est très compliqué. Et pour Benjamin Netanyahou, eh bien, c'est une opportunité parce que c'est lui qui fait pour l'instant le lien entre tout le monde. Dorado. Mais il faut aussi rappeler qu'il y a quand même une bataille qui est en train d'être perdue par Benjamin Netanyahou, et c'est l'image internationale. On sait qu'aujourd'hui, dernièrement, l'Espagne notamment s'est associée à la Cour pénale internationale pour demander de poursuivre l'État d'Israël par ce qu'il est en train de faire dans la bande de Gaza. Donc cette bataille-là, elle est déjà perdue. Donc Benjamin Netanyahou... Et en reconnaissant aussi l'État palestinien. Voilà. Donc la réalité aujourd'hui, c'est qu'il a, c'est un répit, mais il paraît compliqué qu'il puisse continuer à la tête de ce gouvernement, d'autant plus effectivement que ce gouvernement d'union nationale pourrait exploser à n'importe quel moment. Je vous voyais acquiescer, Brigitte Hadès, un dernier mot peut-être sur le sujet. Je me souviens que Netanyahu était tellement contesté chez lui avant le 7 octobre. Il voulait absolument passer en force avec une réforme de la justice folle. La justice, oui. Avec des mois et des mois de manifestations monstres. Tout le monde était absolument furieux. Donc, quand il y a eu cet horrible attentat, finalement, l'Union nationale a été un peu obligatoire, mais il y a quand même beaucoup de dissidence parmi l'opinion publique. Ils ne sont pas du tout pour garder Netanyahou. Donc ça va sûrement d'un autre côté, c'est peut-être pas le moment non plus de faire des crises politiques. Donc ils attendent d'avancer un peu dans cette bataille contre le Hamas. La libération de... Qu'ils espèrent quand même se débarrasser de la plupart de tous ces combattants. La libération de ces 4 otages et la crise politique en Israël. Parlons d'un autre dirigeant à présent, Joe Biden, qui poursuit sa visite en France après les plages de Normandie pour le 80e anniversaire du débarquement. Le président américain qui était à Paris ce samedi, l'hymne américain a d'ailleurs résonné lors de son passage sur les Champs-Élysées. Et la plus longue visite à l'étranger de Joe Biden, qui est donc pour la France, le président américain en pleine campagne pour la présidentielle du 5 novembre, qui multiplie les allusions entre passé et présent. Il a notamment parlé de la guerre en Ukraine et de la menace russe. Il s'agit du 6e paquet que nous avons fourni depuis que nous avons signé la législation sur la sécurité nationale au début de l'année. J'aurais aimé que nous puissions le faire quand nous le voulions, 6 mois plus tôt, mais nous l'avons fait, avec 61 milliards de dollars d'aide supplémentaire à l'Ukraine. Et je félicite la France et nos alliés européens pour leur leadership. Vous savez que Poutine ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine, mais de bien plus que de l'Ukraine. Toute l'Europe sera menacée. Nous ne laisserons pas cela se produire. Les États-Unis sont aux côtés de l'Ukraine.
l'Ukraine. Nous sommes aux côtés de nos alliés et de la France. Nous n'allons pas, je le répète, nous dérober. Voilà, Joe Biden, le président américain, un mot sur ce que vient de dire Joe Biden, Adeline Percept. Non, mais alors, Joe Biden, il est en campagne en France, en fait, mais il est quand même en campagne chez lui, puisque vraiment tout ce qu'il dit depuis qu'il a posé le pied en Normandie s'adresse au fond non seulement à son électorat démocrate, mais encore plus à un certain électorat républicain. Je pense que les vétérans sont toujours des gens qui sont... Sans jamais citer Donald Trump pour autant. Sans jamais citer Trump, évidemment, mais les vétérans, ils sont plus de 20 millions aux États-Unis, donc c'est un électorat qui compte aussi, et c'est important de leur dire, à mon avis, du point de vue de Joe Biden, que America is still great, qu'il y a encore une grandeur, et à rappeler un peu cette geste, ce mythe américain, le leader du monde occidental à la fin de la Seconde Guerre mondiale, etc. Je pense que ça lui sert beaucoup à ça, en tout cas. C'est une stratégie qui peut payer, Brigitte Hadès ? Écoutez, peut-être, mais je pense sincèrement qu'il y a beaucoup plus de choses à voir dans sa visite. C'est une visite importante parce qu'en fait, finalement, il est là pour rappeler qu'il a besoin d'un allié contre la Chine, que l'Europe unie, une Europe forte, est fondamentale pour être considérée par les Américains comme un vrai allié, véritable allié, qui pourrait vraiment jouer pour une espèce de la balance of power dont on parle toujours, l'équilibre des forces, est très important. Donc, il y a vraiment tout ça. Et puis, finalement, aussi, pour rappeler que l'Amérique est quand même moins forte qu'elle n'a été après la Seconde Guerre mondiale, même sous Obama, quand il était vice-président. Il est resté 8 ans vice-président. Et finalement, c'était un vrai collaborateur, parce que dans les mémoires d'Obama, il parle énormément du rôle de Joe Biden. C'est pas comme cette fois-ci, maintenant, Kamala Harris. Il était beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et donc, c'est un vieux routier qui connaît bien les questions internationales, plus que Trump d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment très important de garder l'Europe unie et forte. Et ça, je pense qu'il est là pour le rappeler. La France étant un point d'entrée quand même pour l'Europe, parce qu'on est la puissance militaire, la seule de l'Europe, puisque les Britanniques sont partis. Là aussi, on a l'Union, ils sont la puissance industrielle aussi militaire de la France, la puissance nucléaire. Et rappeler aussi que les Britanniques, maintenant, je sais bien, étant donné que je corresponde à Londres, je vois bien à quel point les Britanniques ont perdu leur force depuis qu'ils sont sortis de l'Union. Donc ça, c'est un truc qu'il est venu rappeler aussi. C'est pour ça qu'il a choisi. Bon, il y avait bien sûr évidemment le débarquement, mais il y a aussi une volonté de donner tous ces messages, qui sont des messages pour la stabilité du monde. Il intensifie, c'est vrai, ses rencontres avec les dirigeants européens, tant et si bien qu'à Washington, il y avait Alexander De Croo, le premier ministre belge, qui a été reçu il y a quelques jours. Ça faisait 18 ans, 18 ans qu'un premier ministre belge n'avait pas été reçu à Washington. Donc, et alors ça, pour une bonne raison... Ça fait sourire Juan José Dorado. Non, mais ça vous fait rire. Oui, mais en même temps, les Belges ont quand même été très proactifs sur Gaza, notamment, et donc... Biden a parlé de ce thème-là en priorité, sur une façon d'exercer toute l'influence qu'il peut via les différents dirigeants européens pour une trêve, pour la résolution du conflit. Et on va continuer à en parler, ce sera juste après le fil info, 20h21, Maxime Glorieux. Ils ont passé 8 mois en captivité. 4 otages ont été libérés. 1 femme, 3 hommes retrouvés en bonne santé par Israël. Libération obtenue dans le centre de la bande de Gaza, une zone ciblée par des frappes israéliennes qui ont fait au moins 210 morts selon le Hamas. Au même moment, la mobilisation en soutien aux Palestiniens se poursuit avec, selon la police, plus de 5000 manifestants à Paris, 3500 à Lyon. Aucune prise de parole politique puisque la campagne des Européennes est terminée. Ouverture des bureaux de vote demain 8h. On vote déjà depuis ce midi aux Antilles, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Scrutin sous haute tension en Nouvelle-Calédonie où le couvre-feu a été rallongé d'une semaine. Reporters sans frontières salue la mémoire de Christophe Deloire, son secrétaire général disparu à l'âge de 53 ans. 12 ans au service de l'association, il avait mis toute son énergie à défendre la liberté d'informer un moment de grand péril. Réaction du président de RSF, Pierre Aski. Et puis alerte aux orages ce soir et aux fortes pluies jusqu'à demain matin dans le sud-ouest. 4 départements en vigilance orange, les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. France Info. 20h, 21h, les informés.
Victor Matet. Les informés qui ne sont plus trois, mais quatre. Richard Verly nous a rejoint. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir, correspondant pour le quotidien suisse Bli, que nous parlions à l'instant. On va vous remettre dans le débat, Richard. Nous parlions de la visite de Joe Biden en France, cette visite d'État dont on disait qu'elle comportait énormément de messages. Brigitte Hadès nous rappelait tous ces messages à l'adresse, bien sûr, des électeurs américains, mais aussi de la Chine et puis du monde dans son entier. Comment est-ce que vous l'interprétez, vous, cette visite de Joe Biden? Il est là depuis plusieurs jours en France maintenant. Mais comme une visite d'amitié. Moi, j'ai été très frappé par quand même le ton, le temps qu'a passé Joe Biden à parler avec les représentants d'associations d'anciens combattants après avoir allumé la flamme du soldat inconnu, les gestes avec Emmanuel Macron, la volonté de montrer qu'ils forment une sorte de tandem. Et cette sympathie, moi, je l'avais vue en Normandie avant les commémorations, avoir tous ces Français qui viennent, qui aiment l'Amérique, qui le disent, qui se souviennent des sacrifices de l'Amérique. Donc je trouve que ce message-là d'amitié franco-américaine, alors ça n'enlève pas les différends, ils sont substantiels, j'imagine que vous en avez parlé, mais ça fait quand même du bien dans un monde incertain. Tant que Joe Biden est là, on a l'impression que l'Europe, la France, est quand même arrimée aux États-Unis. Brigitte Hadès parlait de Joe Biden comme un vieux routier, pour reprendre votre expression. Ancien vice-président de Barack Obama, on s'en souvient, est désormais bien sûr président, 81 ans. Juan José Dorado, il a connu la guerre froide, il a aussi une version parfois un peu manichéenne des choses du bien contre du mal, même parfois un peu caricaturale finalement. Parfois un peu caricaturale, mais c'est vrai que son voyage en France est aussi, comme disait Adeline, un voyage électoral. Il parle aussi aux Américains. Par contre, je ne suis pas très convaincu que parler du débarquement, ça parle à son électorat les plus jeunes, celui qui a été la base des élections il y a 4 ans, parce que eux, tu peux leur parler du Vietnam, et encore, effectivement, il y a 20 millions de vétérans aux États-Unis, mais parler du débarquement, ça n'intéresse pas vraiment les Américains et son électorat principalement. Mais après, ce qui est vrai, c'est qu'il a ses références qui parlent aux Européens, et ça, c'est important. Et là, vous avez fait référence, il y a le débarquement, d'accord, c'est mémoriel, mais après il y a des sujets très importants, c'est notamment la Chine, et sur ces sujets il faut qu'il fasse quand même quelque chose et qu'il arrive à convaincre les Européens, parce que Donald Trump, il avait eu des positions très dures vers les Chinois quand il était au pouvoir, et il faut qu'il rattrape un peu et qu'il montre qu'il est à l'auteur effectivement, et qu'il serait capable éventuellement de faire face à cette concurrence chinoise. Pour ça il faut convaincre les Européens, et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui c'est plutôt lui, Biden, qui serait capable de convaincre les Européens, puisque les Européens et Trump, ça ne se passe pas très bien. Mais on parle de la Chine, on parle de l'Ukraine, du Proche-Orient. L'élection américaine, elle se jouera finalement beaucoup, et peut-être surtout sur des questions de politique intérieure, l'inflation, non, l'immigration aussi, Adeline Percept. Oui, c'est ça qui intéresse les Américains, finalement. Évidemment, mais c'est ça qui intéresse tous les Occidentaux quand ils vont... aux élections, vous savez. Bien sûr que c'est ce qui intéresse les Américains, et aujourd'hui la société américaine, comme dans tout le monde occidental, est très divisée. Elle est aussi quelque part, la petite classe moyenne a augmenté en termes de volume, et l'inflation est là. Le vote Trump, il est aussi très lié aux réseaux sociaux et à une certaine forme de désinformation. Bon, voilà, et c'est des choses que, pour le coup, que les Américains ne peuvent pas nous envier, qu'on ne peut pas envier aux Américains, puisqu'on, pour moi, on vit quand même dans des mondes assez similaires, finalement. On a vu Brigitte Hadès, Donald Trump, d'ailleurs, lui, se rendre voilà, dans un État américain, parler d'immigration pendant que Joe Biden, lui, est là en France, oui, alors, à parler d'histoire et du présent. Oui, alors, Joe Biden, avant de partir, a annoncé toute une mesure très forte sur l'immigration, justement, pour bloquer bloquer la frontière avec la Mexique, justement pour lui damer le pion avant de partir. Mais moi, je pense sincèrement que le message n'est pas seulement électoral. Je pense vraiment que c'est un message, parce que c'est un, comme je le disais, c'est un homme de la guerre froide. Il connaît très bien les sujets, et l'Amérique a besoin d'un allié. C'est pour ça que l'Europe forte, c'est vraiment un message qu'il est venu. Alors, par hasard, c'était juste avant ce dont nous ne parlerons pas, mais n'empêche que c'était aussi parce que 80 ans de débarquement, d'accord, mais aussi parce que il pense que sans l'Europe, sans une Europe unie et forte, on n'est pas, il sera pas capable de donner le bion à la Chine, de pouvoir dissuader la Chine d'intervenir à Taïwan, parce que n'oubliez pas que la France a quand même est très présente en Indo-Pacifique. Alors donc on est quand même des gens sur lesquels il peut essayer de compter, et sur le plan
militaire, même l'Europe, c'est très important. Parce qu'il veut quand même pousser, il n'est pas comme Donald Trump, Donald Trump aussi, il veut pousser à une défense européenne quand même, de nos jours. Vous entendez la petite musique qui nous indique la fin de cette première partie. Et oui, déjà, Désinformé, Richard Verly, ne vous impatientez pas, on vous donnera la parole dans un instant, juste après l'info et la météo. Sur France TV, rien ne se fait sans vous. Une question à poser, un avis à donner, une envie à partager, appelez-nous au 3060. On est à votre écoute. C'est facile, c'est gratuit et c'est vraiment fait pour vous aider. 3060. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France Info. Dans l'actualité ce soir, l'immense soulagement en Israël après la libération de 4 otages israéliens à l'issue d'une opération de l'armée israélienne ce matin dans le centre de la bande de Gaza. Image ici de l'hélicoptère qui les rapatrie dans un centre médical près de Tel Aviv. Ils sont tous en bonne santé. Libération qui a déclenché, vous le voyez, des scènes de liesse un peu partout en Israël. Autre image forte, Noah Argamani, 26 ans, l'une des 4 ex-otages qui, vous le voyez sur ces images, retrouve son père. Elle avait été enlevée en même temps que son compagnon lors du festival de musique le 7 octobre. Son compagnon qui, lui, est toujours ce soir otage aux mains du Hamas. Autre image forte du jour, la visite d'État du président des États-Unis, Joe Biden, après une cérémonie. Ce midi à l'Arc de Triomphe, le président des États-Unis, vous le voyez sur cette image, et son épouse ont été accueillis à l'Élysée il y a quelques minutes pour un dîner d'État en compagnie notamment de nombreuses personnalités américaines et françaises. Dîner d'État qui conclut donc cette journée où Emmanuel Macron a déployé les fastes de la République pour honorer l'amitié entre la France et les États-Unis. On évoque à présent ces images d'affrontements cet après-midi dans le Tarn, rassemblement de militants écologistes qui protestent contre l'autoroute A69, projet d'autoroute qui doit relier Castres à Toulouse. Affrontement violent entre les forces de l'ordre et des manifestants radicalisés. Il y a plusieurs blessés du côté des policiers et du côté des manifestants. Une image de tennis pour vous dire qu'à Roland-Garros, eh bien, il n'y a pas eu de suspense en finale dames cet après-midi. Iga Swiatek, la polonaise, a remporté un 4e titre porte d'Auteuil, le 3e consécutif. Elle a balayé en finale la surprise italienne, la révélation italienne sur Roland-Garros, Jasmine Paul. Homme entre l'Espagnol Carlos Alcaraz et l'Allemand Alexander Zverev. Voilà pour l'essentiel, vous restez avec nous à suivre les informés. Très belle soirée sur France Info. Bonsoir à tous. Une situation sous surveillance sur les régions du sud-ouest ce soir, puisque une dépression sur la péninsule ibérique va faire remonter de l'instabilité. Ça va commencer en toute fin d'après-midi. C'est peut-être déjà le cas dans certaines communes en ce moment, de l'activité électrique, de la grêle, qui va dans un premier temps ensuite se calmer, mais se réactiver en cours de nuit sur les mêmes régions, avec un risque de pluie diluvienne. Donc on est évidemment très prudent sur le secteur. L'instabilité concerne en réalité tout un axe qui part depuis l'Aquitaine jusqu'au flanc est. Demain, on la retrouve toujours sur le sud-ouest du pays, également sur le golfe du Lion. Et puis après, ça se décale et ça va aussi concerner les Cévennes, le Rhône-Alpes, les Terres Provençales, le Jura, les Alpes. Grande prudence sur toutes ces régions, alors que le Nord reste en marge de toute cette agitation avec des conditions calmes et souvent lumineuses. Température contrastée le matin de 7 à 21. Température en baisse logiquement dans la journée, plus que 19-20 degrés au pied des Pyrénées, 21 à Paris, 29 pour Ajaccio. Ce dimanche, les Français votent. Tous les Européens votent pour élire le Parlement de l'Union européenne. Quelle Europe choisirons-nous? Et quel impact auront ces élections pour vous, ici en France et dans la classe politique? Réponse dimanche soir sur France Info, avec nos éditorialistes, nos experts et nos envoyés spéciaux en direct dans les QG de campagne. Les premières estimations, les premiers résultats et la composition du nouveau Parlement de l'Union européenne. Soirée électorale ce dimanche 9 juin à partir de 19h en direct sur France Info, Canal 27.
21h, les informés. Victor Matet. Les informés dans le studio de France Info avec ce soir Juan José Dorado, journaliste espagnol en France, Richard Verli, correspondant pour Blick, le quotidien suisse, Adeline Percep de la RTBF et Brigitte Hadès, grand reporter, chef du bureau britannique de la revue Politique Internationale. Nous évoquions cette visite de Joe Biden en France. Richard Verli, je vous avais promis la parole, vous l'avez. Oui, ce que je voulais dire, parce qu'on parlait de Joe Biden et de l'Europe, ce qui est très intéressant, c'est son discours. Il cherche évidemment des alliés, il est heureux d'en avoir, mais c'est lui le patron. Et il le rappelle à chaque fois. C'est-à-dire, c'est une alliance qui est derrière les États-Unis, c'est lui le patron du monde libre. Et c'est important parce que vous avez d'un côté un Trump qui, au fond, n'est préoccupé que par une chose, c'est le carnet de chèques de ses alliés, à condition qu'il paye des armes américaines. Biden a une stratégie beaucoup plus subtile, mais qui n'en est pas moins coercitive pour les alliés européens. Il ne faut pas croire qu'il est venu dire à Emmanuel Macron « Faites comme vous voulez avec la défense européenne, allez de l'avant, vous avez mon soutien ». Non, il est venu dire vous êtes mes alliés, mais c'est moi le boss. Quand même, il le dit d'une manière douce et moins, disons, péremptoire que Trump, mais il le dit tout de même. Un picodicile, plus l'Europe sera forte et moins ils seront vassaux. Et c'est très important, et je pense que là, vraiment, on est à un moment charnière de l'Europe, mais on est à un moment charnière de la situation aux États-Unis, parce que il fut un temps où l'état-major américain disait on peut se battre sur deux fronts et demi à la fois, c'était là le credo de tout. Mais depuis quelque temps, on voit bien qu'ils ne peuvent pas se battre, aussi bien en Europe qu'en Chine, et avoir une autre région sur laquelle surveiller. Donc, ils ont beaucoup plus besoin de l'Europe, une Europe forte et d'une forme militaire, qu'il n'en a eu besoin avant. Et ça, c'est un vrai changement. Et je pense que Biden, qui connaît très bien toutes ces questions, est beaucoup plus dans cette optique que l'époque où il disait « Vous allez me suivre et je serai derrière mon drapeau ». Non, je pense que ça a beaucoup changé. D'ailleurs, le discours ne correspondrait pas à la situation actuelle parce qu'il est très conscient des populistes en Europe. D'ailleurs, il y avait un article dans le New York Times qui critiquait, qui était très inquiet sur le populisme et le populisme en Europe. Et il voit ça d'un très mauvais œil parce qu'il trouve ça très inquiétant. Et donc, je pense sincèrement qu'il ne veut pas du tout heurter toutes ces choses-là. Et il est plus subtil que tu ne le vois. Enfin bon, en tout cas, comme ça, je l'ai vu. Et voilà, une flèche pour vous. Est-ce que je peux vous mettre d'accord? Parce qu'en fait, en 2014, Obama était en Normandie. Et c'est l'époque, vous savez, on sortait de la période Bush, du fiasco irakien. Et où, en fait, Obama avait quand même cette théorie qui disait « il faut qu'on dirige depuis l'arrière ». Leading from behind. Donc c'est un petit peu, c'est une stratégie plus subtile, mais c'est quand même leading, c'est absolument quand même dirigé. Voilà. Voilà, l'arbitre. Si ça peut vous mettre d'accord, la position belge au milieu. D'Adine Percep, on a parlé tout à l'heure des affaires intérieures qui pourraient jouer, et qui vont jouer sans doute pour la présidentielle américaine du 5 novembre. On parlait de Donald Trump, ses affaires judiciaires aussi. Juan José Dorado, cela va jouer également. Ça va jouer, surtout quand on connaîtra sa condamnation. Après, est-ce qu'il va être, Donald Trump, capable de garder une partie de son électorat après avoir été condamné et qu'on connaisse sa peine? Est-ce que, c'est la question aussi, est-ce que Joe Biden, comme je disais tout à l'heure, va être capable de garder ces jeunes démocrates qui votaient pour lui et qui, ces dernières semaines, ces derniers mois, à cause du conflit à Gaza, ont commencé à manifester dans les universités et qui, pour certains, sont prêts à ne pas voter. Ils n'iront pas voter Trump, mais ils n'iront pas voter peut-être Biden. Donc effectivement, après, il y a quand même, on en disait un mot tout à l'heure, il y a cette histoire de l'économie, cette histoire de l'immigration, cette histoire de l'inflation, qui en fin de compte, c'est ce qui va compter. Donc Trump, il est là, il a ses ennuis judiciaires, mais Biden ne peut compter que sur ça, parce que sinon il ne sera pas élu. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir très largement sur France Info. À nouveau, un peu de musique, tiens, pour introduire le troisième thème ce soir des informés. Ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou. Je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour. J'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je ferais mieux t'effacer. Voilà la chanson du film Un petit truc en plus tube relancé grâce au succès du long métrage d'Artus qui a été vu désormais, tenez-vous bien, par plus de 6 millions de personnes en France. Plus gros succès de l'année devant des productions américaines comme Dune et le plus important depuis le Covid, depuis 4 ans maintenant. Film à budget réduit dont personne ne voulait au début, sauf le distributeur David Baudry. Il était tout à l'heure sur France Info.
On a Artus qui a écrit un très joli film. Il a mis en boîte quelque chose d'assez, très sincère, un film très sincère. Je pense que tout le monde le ressent comme ça. C'est un feel-good movie. On y va, on est touché, on rit, et on rit sans se moquer. C'est ce qui est important aussi. C'est pas un film de vanne, c'est pas mièvre non plus. Donc quand on a de l'émotion, donc tout ça réuni fait qu'effectivement c'est assez encourageant pour se dire que non, il n'y a pas toujours besoin de plein de millions pour faire un film. Une belle idée, une belle écriture, et puis tous une troupe de comédiens qui sont contents de travailler ensemble. Parfois, ça fait l'alchimie suffit. Voilà, le film qui cartonne en France, en Suisse également, Richard Verli. C'est ça le succès du film, c'est une alchimie des ingrédients qui vont bien ensemble. Oui, je crois. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, et j'ai remarqué qu'encore aujourd'hui à Paris, il n'est pas si facile à voir que ça, parce que visiblement, c'est un succès qui vient de la province, qui est parti de la province. Oui, c'est ça, c'est une bonne comédie, c'est une comédie qui fait plaisir et c'est une comédie qui parle de la capacité à être ensemble dans un pays où en général on aime les fractures et où le cinéma lui-même insiste souvent sur les fractures ou sur les violences. Là, c'est l'idée qu'ensemble et même avec les handicaps, on peut avancer. Et il y a eu cette scène fabuleuse, moi c'est comme ça que j'ai découvert le film, je l'avoue, à Cannes, où je crois qu'on n'arrivait pas à porter certains des acteurs et rien n'avait été fait pour les accueillir. Bref, jusqu'au bout, ce film aura étonné et visiblement pas mal de gens, même à Cannes, n'y avaient pas cru du tout. Voilà, et justement, à partir de cette scène-là, à Cannes, il a été décidé que l'an prochain, les marches seraient accessibles aux personnes en situation de handicap. Brigitte Hadès, ça peut faire évoluer les choses, justement, ce genre de film? Mais absolument, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il fut une époque où les aliénés, enfin les gens qui étaient handicapés ou aliénés, on les traitait, vous pensez que c'était une malédiction divine, enfin, il y avait très longtemps, vous allez me dire, mais enfin, on est quand même resté sur ce genre d'impression. Et là, tout d'un coup, on voit qu'on les traite comme des êtres humains qu'ils sont. Et il y a les émotions, et ce sont des gens qui sont d'une sensibilité inouïe, et que ce soit des bandits, ou je ne sais pas ce que j'ai pas vu non plus, mais bon, j'ai entendu l'histoire, que ce sont des bandits qui se prennent d'amitié pour eux, ça me paraît être un côté cohésion, émotion, reconnexion des humaines, qui est plein d'espoir et de positivité, et je crois que c'est vraiment quelque chose simple et qui est très agréable dans la mesure où il y a tellement de divisions, on n'entend que ça, et de gens agressifs. Alors là, tout d'un coup, ça fait plaisir, parce que c'est vraiment ça l'humain, c'est qu'on a besoin de ce genre d'émotion. Film qui fait du bien, Aline Percept. Je vois que vous voulez parler, je vais vous donner la parole, mais dans un instant, parce que c'est l'heure du film. Vous faites la chic, Victor. C'est ça, France Info. 20h40, l'essentiel, Maxime Glorieux. Les réactions après la libération de 4 otages retrouvés en bonne santé à Gaza. Pour Benjamin Netanyahou, c'est une preuve qu'Israël ne cède pas face au terrorisme. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz y voit un signe d'espoir pour les autres familles d'otages. Libération dans le centre de l'enclave palestinienne où des frappes israéliennes ont fait au moins 210 morts selon le Hamas. L'Ukraine doit-elle utiliser les profits des avoirs russes, des avoirs gelés depuis le début de la guerre? La France et les États-Unis y sont favorables. Dans une feuille de route commune. Les deux pays se disent ce soir préoccupés aussi par la fourniture d'armes à la Russie, des armes venant d'Iran et de Corée du Sud. Et de 4, quatrième titre pour Iga Swiatek à Roland-Garros, la numéro 1 mondiale a surclassé la 15e au classement. L'italienne Jasmine Paolini, victoire express en 2-7, 6-2, 6-1. Demain, place à la finale, messieurs, Alexander Zverev affrontera Carlos Alcaraz. Et puis le FC Vannes devient le premier club breton à intégrer l'élite du rugby, le top 14, grâce à sa victoire 16-9 contre Grenoble en finale de Pro D2. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Le succès du film d'Artus, un petit truc en plus, 6 millions de spectateurs désormais en France. Adeline Percept, toutes mes excuses pour vous avoir coupé la parole, je vous ai coupé dans votre lancée, on vous écoute. Non mais pour moi c'est politique et je suis très très contente du succès de ce film. C'est politique pourquoi? Parce que ça fait des années, je veux dire, qu'il y a des gens qui se battent pour l'inclusion dans ce pays et il y a des initiatives qui sont extrêmement...
bonne parce que on voit que les personnes atteintes de trisomie 21, par exemple, font maintenant partie de notre quotidien. Est-ce que vous connaissez les cafés joyeux? Vous êtes déjà allé? Il y en a maintenant partout en France et les gens qui servent, eh bien, ce sont des personnes qui sont atteintes de trisomie 21, qui ont toujours la banane parce que ça fait partie des caractéristiques. Ils ont souvent envie de sourire aux gens. Il y a une conseillère municipale dans la ville d'Arras qui s'appelle Éléonore Lalou et qui est atteinte de trisomie 21 et qui est quelqu'un d'exceptionnel. Si vous avez l'occasion de la rencontrer ou de l'interviewer, je vous encourage. Et puis, il y a des gens qui se battent toujours. Est-ce que le risque, Adeline Percept, ce n'est pas que l'on mette la lumière, voilà, à l'occasion de ce film sur cette situation de ces personnes-là et puis que, bon, après, finalement, pas grand-chose ne se passe? Non, parce que, en fait, dans la société, il y a des gens qui se battent et j'allais vous dire que, justement, il y a toujours des gens qui se battent, notamment pour la scolarisation des enfants. Et regardez ce que font certaines associations, ce que fait Caroline Boudet, qui a écrit des livres formidables là-dessus, qui est journaliste et qui a une fille atteinte de trisomie 21, qui s'est battue pour qu'elle soit intégrée dans les écoles. Et ça, c'est vrai en France, c'est vrai en Belgique. Il faut continuer, mais bien sûr que la culture devait s'emparer de ce thème. Je trouve ça hallucinant que personne n'ait parié sur ce film. Ça montre aussi une forme d'incapacité, de déconnexion des gens qui financent la culture vis-à-vis de la réalité sociale et des messages politiques positifs qu'on a envie de faire passer. D'autant qu'il y avait eu un précédent, si je ne me trompe pas, le 8e jour, effectivement, avec Daniel Auteuil, absolument, et le film avait très bien marché à l'époque également. Effectivement, 1996, prix d'interprétation à Cannes, on s'en souvient, pour Pascal Duquesne et Daniel Auteuil. Mais aussi par la suite, Omar Sy avec Les Intouchables, où on parlait d'un handicapé, même s'il était intellectuellement au top. Handicapé moteur, effectivement. Voilà, mais là, ce film, je suis allé le voir avec mon filleul, qui a 11 ans, il a passé tout le film à rigoler. Et à la fin du film, on sort du cinéma et il me dit « Ah, ils sont sympas ». Et ils sont sympas, les acteurs. En fait, un enfant de 11 ans a peut-être un regard qui est différent. Et donc, tous ces films vont dans la bonne direction. Mais il n'y a pas que ces films. Vous vous souvenez tous des rencontres des papotins, avec notamment le président de la République qui est allé rencontrer des personnes handicapées. Donc, tout ça aide. Tu as parlé d'un exemple. Rappelons que c'est une rédaction de journalistes autistes, voilà, effectivement, et déclinée maintenant en émission sur le service public, sur France 2. Mais la France, on a l'impression qu'elle est en retard. Elle n'est pas en retard, parce que ça fait des décennies et que l'accès au marché du travail des handicapés est régulé. Et ça, ce n'est pas partout. Et c'est vrai aussi qu'il y a des entreprises qui travaillent avec des handicapés et qui sont en train, par exemple, tu faisais référence tout à l'heure, de s'installer, par exemple, en Espagne, la même entreprise, pour aider aussi des handicapés espagnols. Donc ce film a un avantage, c'est qu'il fait rire, c'est une comédie. Et c'est dommage qu'on n'ait pas cru avant, parce que Artus a eu énormément de mal à trouver les financements pour pouvoir faire le film, mais en tout cas, c'est une très belle réussite, et je pense que ça aide effectivement à avoir un regard différent sur les personnes handicapées, et notamment un regard différent des enfants. Je vous dis, mon filleul disait, ils sont vachement sympas. Et donc, bah, c'est un regard différent, et ça compte. On a parlé de la Suisse. Est-ce que le film marche en Belgique, Adeline Percept? On sait que Sylvain, un des acteurs principaux, enfin un peu à contre son gré, on va dire, pour ceux qui ont vu le film, qui est très drôle, et de nationalité belge. Oui, tout à fait. Et puis, il y a Benjamin qui, avec son frère, était présent sur les réseaux sociaux. En fait, ils se sont fait connaître comme ça d'Artus. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans l'aventure. Alors, le film, je n'ai pas les chiffres, mais le film marche très bien en Belgique. Et avec la France, la Belgique, la Suisse, le film est maintenant 7e au box-office mondial. Donc c'est incroyable. Dingue. Bon, c'est peut-être pas grâce à la Belgique. À coup sûr, il y aura un remake américain. Oui, ça c'est sûr. Probablement. Effectivement, probablement. Brigitte Adias, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais je me souviens aussi que Lino Ventura avait toujours voulu faire une cause à ce moment-là. Et je trouve ça merveilleux, parce qu'à l'époque, il avait vraiment... Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était... Personnage, je crois. Personnage, c'était vraiment magnifique. Et moi, quand j'étais petite, je me souviens que dans ma classe, il y avait une fille qui était trisomie 21, et elle était charmante. Je me souviens, on est parti en classe de neige avec elle, on s'amusait bien, on était d'une classe unie, elle était là dans la classe. Donc c'est drôle que maintenant, je ne sais plus pourquoi, il y en a moins dans les classes. Ce n'est pas normal, ça.
Il y a des classes spécialisées aussi. Et ces succès va permettre pour les parents, pour les parents, c'est quand même toujours un enfer. Et bon, l'institution de l'éducation nationale ne va pas très bien, comme vous le savez. Ce genre de choses n'avance pas aussi vite que ce que les parents voudraient. Je disais que ces succès va aussi permettre effectivement à des producteurs qui n'avaient pas confiance dans ce type de film, de, peut-être de miser sur ce type de film. Donc, tout ça, c'est vrai qu'on doit faire encore plus, mais ne nions pas que ça apporte beaucoup. Et profitons justement du succès de ces films. 6 millions de personnes, 6 millions d'entrées, c'est quand même assez important. Et donc, profitons de ce moment et de ce que peut nous offrir ce film. Voilà, une note positive. Parlons de tennis, tiens, pour refermer ces informés avec la victoire cet après-midi chez les femmes, vous l'avez suivi sur France Info, de la Polonaise Iga Swiatek. Donc de la numéro 1 mondiale commentée par Emma Sarango, Swiatek qui a écrasé Paolini 6-2, 6-1, presque comme tous ses matchs dans le tournoi, sauf celui contre Naomi Osaka où elle avait dû sauver une balle de match. Juan José Dorado, tiens, je reste avec vous, je sais que vous aimez le tennis, elle n'est pas forcément très connue encore hein, du grand public, Iga Swiatek, alors qu'elle entre petit à petit dans la légende, c'est déjà une très grande joueuse. Vous voyez, elle entre, elle a gagné déjà 4 Roland-Garros dans les 3 derniers. Donc effectivement, il y a un défaut. Mais je pense que si elle se balade par exemple dans Paris, il y a beaucoup de gens qui ne la reconnaissent pas. Elle n'est pas connue et ça c'est un défaut d'image malheureusement du tennis féminin. Mais ceux qui avaient mis 40 minutes en gagnant 6-0, 6-0, alors que Novak Djokovic lui avait passé près de 5 heures sur les cours. On va continuer à en parler de cette victoire à Roland-Garros. Ce sera après l'essentiel, le fil info 20h50, Maxime Glorieux. Un nuage de gaz lacrymogène et des tirs de mortier au milieu des champs dans le Tarn. La manifestation interdite contre le projet d'autoroute A69 a viré à l'affrontement. 3 blessés légers selon la préfecture, un gendarme, un policier et un manifestant. 1600 participants dont 1200 radicaux pour la préfecture. 7000 au total pour les organisations écologistes. Des nouvelles de la première ministre danoise agressée hier soir. Elle se dit secouée mais en bonne santé. Un suspect a été placé en détention provisoire. Pas de motivation politique chez cet homme de 39 ans, selon les premiers éléments de l'enquête. Les hommages à Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, est mort à l'âge de 53 ans, un infatigable défenseur du droit à l'information pour les États généraux de l'information, un avocat inlassable et talentueux du journalisme, réagit de son côté le président de l'ARCOM, le régulateur des médias. Et puis dans le sud-ouest, 4 départements sont en vigilance orange pour orage ce soir, puis pour pluie, inondation jusqu'à demain matin. Les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, de la grêle est attendue. France Info. 20h, 21h, les informés. Victor Matet. Le tennis et la victoire à Roland-Garros cet après-midi de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Déjà son 4e succès porte d'Auteuil. Richard Verly, vous qui êtes de la patrie de Roger Federer ou encore de Martina Hingis pour les plus anciens. Mais nous, on ne regarde plus Roland-Garros depuis que Roger Federer n'y est plus. Évidemment, c'est terminé. Non, vous savez, c'est difficile de se remettre d'une légende. Quand vous avez une légende comme Roger Federer qui véritablement a rivé les Suisses à leurs écrans. Alors lui, c'était surtout à Wimbledon. Donne à Roland Garros, il avait régulièrement des difficultés et des défaites. Mais quand on a eu un joueur de cette trempe, eh bien, se reconstruire derrière. Alors, il y en a un autre quand même qui était à Roland Garros, c'est Wawrinka. Mais donc voilà, on est dans cette phase de convalescence post-fédéraire. Une sorte de deuil finalement un peu collectif. Un peu, les Français ont connu ça. Après l'époque Noah, il y a eu des moments difficiles. Je ne connais pas le niveau de popularité qu'elle a en Pologne, mais je peux imaginer que ce genre de vedette réussit à souder un pays derrière un sport, le tennis, pendant un moment. La particularité du tennis, c'est que c'est autour d'un joueur ou d'une joueuse, donc bien évidemment le moment où il prend sa retraite. Donc voilà, nous pleurons Federer. Et mais effectivement, c'est intéressant cette comparaison parce qu'il y a on le disait, un déficit de notoriété du tennis féminin, et on voit que des fois les choses prennent entre guillemets ou ne prennent pas. On a vu les sœurs Williams par exemple qui étaient de véritables phénomènes et médiatiques et sportifs, Roger Federer aussi, mais aujourd'hui les femmes dans le tennis, je ne sais pas Brigitte Hadès si vous voulez en dire un mot, plus de mal à émerger des c'est figures vrai, comme alors, ça. Hein. Alors qu'on a eu Steffi Graf qui était vraiment merveilleuse et qui était vraiment une vraie idole. Et Martina Hingis. Et je pense avant, elle Navratilova. Mais je pense qu'elle va sur cette lancée, Maurice parce qu'elle est aussi capable que ces gens-là. Mais je ne sais pas, peut-être c'est aussi son style, parce qu'elle a l'air très comme ça. Elle avait l'air tellement contente d'avoir gagné.
de façon très un peu pas très féminine. Alors peut-être que maintenant c'est plus là, c'est plus le, on est, elle était comme... sur quel débat mais... voilà là. Mais bon, peut-être que ça aussi, je sais pas, c'est un nouveau style aussi qui fait qu'elle est peut-être moins que Stéphie Graff. Ouais, je ne sais pas, Aline Percept, une légende du côté de la Belgique, qui commande désormais sur France 2, c'est Justine Hénin. C'était Justine Hénin, c'est toujours Justine Hénin, puisqu'elle commente les matchs. Beaucoup de bruit, parce que c'est lui qui, vous savez, David Goffin, qui a dit que le public de Roland-Garros, c'était plus possible. Donc il a fait avait craché un chewing-gum dessus. Ça voilà, lui a pas c'est ça. Et donc, bon. Mais ce n'était pas la meilleure année, on reviendra plus tard. Entre José Dorado, encore 10 Roland-Garros si elle égale Raphaël Nadal. Voilà. Mais dit qu'elle est bien partie parce qu'elle a gagné 4 à 23 ans, comme Raphaël Nadal. Mais permettez-moi quand même, il y a deux choses. D'abord, me souvenir d'Arantxa Sánchez Vicario qui a gagné 3 Roland-Garros, on a perdu 4 quand même, donc, qui est arrivé à cette finale. Mais nous, les Espagnols, on se reconstruit vite fait après le départ de Nadal, puisqu'on a demain donc Monsieur Carlos Alcaraz qui va jouer sa première finale à Roland-Garros après être arrivé en demi-finale l'année dernière. Mais ce qui est vrai, effectivement, c'est qu'il y a cette déficit d'image du tennis féminin. L'Espagne a beaucoup prêté attention au tennis féminin à l'époque de Arantxa Sánchez Vicario et de Conchita Martínez. Des années 80, mais depuis, effectivement, 2000. On n'a pas des joueuses qui sont au premier niveau mondial, mais encore une fois... Il y avait Garbiñe-Muguruza qui avait gagné... Tout à fait, qui en a gagné une année, et aussi Wimbledon, mais qui est parti par la suite. Mais c'est vrai qu'on a demain Alcaraz, et donc, permettez-moi, nous, aujourd'hui, on est avec Alcaraz. Allez, Alcaraz. Mais parce que j'aime beaucoup comment fort, vous dites. Alcaraz. Alcaraz, voilà. Vous essayez de le dire à Adeline Percept. Ça vous fait rêver un peu, Richard Verli, d'avoir une relève quasi immédiate. Parce que Rafael Nadal n'est même pas vraiment encore parti. Oui, c'est sûr, Alcaraz le tennis espagnol, notamment sur terre battue, est fantastique de ressources. Encore une fois, nous, on est un pays plus petit. On a eu la chance d'avoir Federer et la terre battue n'était pas sa surface de prédilection, je le répète. Donc la vraie question, c'est après, c'est difficile, j'imagine, pour Carlos Alcaraz de succéder à une figure comme Nadal. Ça doit être difficile de s'imposer, donc on verra demain. Je ne sais pas si Nadal sera dans les tribunes. Pour l'instant, il a déjà gagné Wimbledon. C'est un match épique l'année dernière à Djokovic. Donc il a gagné aussi l'Australie déjà. Donc il a 21 ans. Et déjà de grands chelems à son actif, et je suis convaincu que demain il aura le troisième. Et ça a été le plus jeune numéro un mondial déjà de l'histoire. Il a l'air de plutôt bien gérer effectivement cette situation. Un pronostic, tiens, allez pour demain. On a compris de votre côté, Juan José Dorado. Ce sera Alcaraz, Adeline Percept. Est-ce que vous avez envie de vous prononcer? Non, je vais pas me prononcer, moi. J'ai une certaine humilité face à mes compétences. C'est vrai. Moi, tout à fait, sauf que m'a beaucoup plu. J'étais aux États-Unis quand je le regardais, je me souviens que c'était pendant la nuit. Parce que j'ai trouvé fascinant de voir comment il a gagné Wimbledon. Il a été en plus d'une humilité après, il était vraiment, on avait l'impression vraiment d'une personne habitée, jeune, si jeune, et si extraordinaire. Donc j'aimerais bien que ce soit lui, mais à la limite, je n'y connais rien, donc je ne sais pas du tout. Bon, est-ce que la Suisse supporte l'Allemagne? Non, la Suisse est neutre, vous le savez. Neutre, donc toujours. Là, on va adopter la posture la plus neutre possible, mais qui est avant tout le résultat de mon incompétence tennistique. Bon, eh ben, on verra demain qui a raison. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir dans Les Informés, qui reviennent demain matin sur France Info. Très bonne soirée à tous.